La communication environnementale au Togo est un sujet qui préoccupe énormément le gouvernement togolais et plus précisément le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. Pour y arriver, il faut intégrer les journalistes dans la navire pour que les résultats escomptés soient atteints. Aujourd'hui, ceci vient dans le cadre de la promotion de l'agenda féminine. Le ministère de l'Environnement a donc initié du 22 au 28 juillet 2021 un atelier à l'endroit des femmes journalistes, communicatrices et chefs d'agence de presse sur l'ensemble du territoire national. Tenu en deux phases à Atakpamé pour les régions de la Maritime et des Plateaux et à Sokodé pour la Centrale, la Kara et les Savanes, les rencontres ont pour objectif de donner des outils nécessaires aux femmes pour accompagner le ministère de l'Environnement dans la lutte contre le changement climatique. Donc tout est parti d'un constat et nous avons constaté qu'au niveau des différents organes de presse, les femmes ne s'intéressent pas trop à l'information environnementale. Et on s'est dit que si elles ne s'intéressent pas trop à l'information environnementale, peut-être c'est parce qu'elles n'ont pas assez de connaissances sur toute la problématique ou bien toutes les thématiques relatives à l'environnement. Or, l'environnement, de surcroît, ça doit générer obligatoirement beaucoup de sujets à traiter. Donc l'objectif que nous poursuivons à travers ces deux formations, c'est d'amener les journalistes à s'intéresser aux émissions environnementales, c'est de les outiller sur la problématique en général de l'emploi, c'est de les amener à produire des émissions. Axé sur le thème « Les femmes au cœur de la communication environnementale », l'atelier se situe dans le cadre du projet d'appui à la lutte contre le changement climatique, PALCC, un projet du gouvernement togolais soutenu par l'Union européenne et financé à hauteur de 10 millions d'euros. À Atakpamé comme à Sokodé, les femmes participantes ont reçu plusieurs communications qui vont leur permettre de disposer d'informations fiables et d'avoir des techniques d'approche pour communiquer aisément et informer leurs cibles. Après cette formation, ces femmes sont regroupées sur une plateforme WhatsApp administrée par les responsables de la communication du ministère de l'Environnement. Cette plateforme a pour objectif de fournir des informations fiables aux membres pour une meilleure communication. Rappelons qu'en janvier 2020, c'était des hommes journalistes qui ont eu ce privilège à Kbalimé pour le compte du même programme, projet d'appui à la lutte contre le changement climatique, PALCC.